Aujourd'hui, je suis avec Emeline et on va faire un petit entraînement dans l'eau avec Jimmy et Cookie. Comment ça va? Je suis avec toi cet après-midi. La grosse saison revient très prochainement avec du coup 3 animations pédagogiques par jour. Donc voilà, on profite du temps qu'on a pour pouvoir aller dans l'eau un petit peu avec eux. Je vais lui faire une frayeur. Mais non, c'est dans la tête. Emeline, on va prendre chacun une otari à l'eau. Et du coup, Emeline va commencer avec Jimmy. Donc Emeline sort avec Jimmy. Allez, repart. Et Jimmy ne s'arrête pas, il part tout droit dans l'eau. Yes. Ça annonce la couleur de l'entraînement. Normalement, ils savent très bien que voilà, ils s'arrêtent, on se dit bonjour, on fait quelques câlins. Coup dur. Oh, le vent. On sait tous les deux que ça va être compliqué. Jimmy préfère se baigner tranquillement plutôt que travailler. Et il nous le fait bien comprendre. En vrai, j'étais pas très optimiste, mais je pensais que t'arriverais à aller dans l'eau avant que ça... Je vois Emeline qui, voilà, qui est un petit peu déçue. C'est, bah, forcément, c'est pas super agréable. Ouais, on rentre. Quel insolent. L'insolent. Bah tant pis, c'est pas grave. Donc Emeline rentre Jimmy dans le bâtiment. Et donc, bah, fin de session pour Jimmy. Donc j'ouvre la grille, j'arrive sur la plage avec Cookie. T'es sûr? Et Cookie ne part pas à l'eau. Donc déjà, un point pour moi. Tu fais pas un plat, hein? Je plonge dans l'eau avec Cookie et du coup, je commence par, par des petits exercices tout de suite. Les entraînements à l'eau, alors en tout cas, quand ils ont envie de travailler, c'est juste génial. C'est... J'ai même pas les mots, c'est peut-être ce que je préfère dans notre métier. C'est des moments privilégiés qu'on passe avec nos animaux et puis tout le monde n'a pas la chance de, voilà, de nager avec une otarie. C'est juste incroyable. Tourne, tourne. J'ai une apnée très très mauvaise. Et ce qui se passe, c'est qu'au moment de plonger, au lieu d'inspirer, j'expire. Et du coup, j'ai aucune respiration. Ce qui fait que je bois la tasse. Il donne tout, il est trop mignon. Bravo, merci. Je suis très content parce que je le vois qu'il est content, qu'il est motivé et forcément ça fait toujours plaisir, c'est toujours cool quand l'otarie est coopérante. Tout droit là-bas. Donc c'est génial. Parfait, bonne année. Super. Là, on est dans le gros. Le matos, l'équipement, c'est là. Ok. Il y a quelques semaines, j'ai fait un excellent... On n'est pas loin, ouais. Un excellent enrichi pour les suricates qui s'appelle la forêt de bambou. Ceci sera la base de notre forêt de bambou. Je suis avec ma stagiaire Émilie et aujourd'hui, on va faire un enrichissement pour les suricates. J'ai récupéré une palette en aggloméré et puis des morceaux de bambou. Et l'idée de génie
qui est apparu. C'est une forêt de bambous. Donc des bambous qui sont plantés dans la palette. Viens. La palette, j'imaginais vachement grande. Je les imaginais plus petits, je me disais les 6 là-dedans, ça va le faire. En fait, déjà un. Non, c'est clair. Bon, 1 sur 4, ça passe. 2 sur 4, c'est serré. Sauf qu'il y a plus de sur 4 que de surface de palette. Ready? Yes. Okay. Il était bien sans être bien parce que j'ai un peu sous-estimé la taille des sur 4. J'ai un peu surestimé la taille de mon enrich. Donc finalement, c'était pas fou. L'idée, on va refaire une forêt de bambou 2.0. Ok. Pour cela, j'ai adroitement fait des trous. Moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est qu'on met nos bambous. Donc là, ça tient pas parce qu'ils sont lourds. Mais tu vois, on met nos bambous et on les coupe pour qu'ils aient vraiment tous la même taille. Donc en fait, j'ai décidé de récupérer cet enrichissement, donc qui a quand même fait un petit temps chez les suricates, pour le passer au mangouste. Mais avant de le passer au mangouste, petite modification pour rectifier les petites erreurs du passé, on va dire. On met cette taille-là. Bam. Ouais, et après on enchaîne. Ça tient ou quoi? Ouais. Et moi, je trouve ça beau. Ma chère stagiaire qui prend les bambous et tout, moi je les coupe à la bonne hauteur, on vérifie que c'est bien droit. Moi je coupe. Ok. Et toi, tu troutes. C'est nul. En fait, c'est très simple. Trouter, c'est de forcer pour que le bambou au moins soit droit et qu'il bouge plus du tout. Bam. Non. Lui, là, lui me parle. Il te parle? Ouais. Il te dit quoi? Il me dit que ça va trouter. Voilà. Attention aux doigts. Petit message à l'Académie française, le troutage, je pourrais même vous faire la conjugaison, je vous regarde en face, je troute, tu troutes, enfin on verra ça ensemble, contactez-moi. Encore un. Alors, Qu'est-ce que colle-tu, et bah là c'est la forêt de bambou 2.0. Ouais. Donc après l'échec, semi-échec des sur 4, mangouste. C'est bien, mais là moi je suis une mangouste. Moi, je passe. Bah oui. Je vais tout droit. Non, mais là. là, tu vois. Vous allez en remettre, là. Bah, on va essayer. Mais toi, vous mettez pas des barrières horizontales aussi? Aurélie, ma collègue, elle arrive. Et puis, de par ses habitudes d'avoir tourné partout et d'avoir une expérience vraiment incroyable partout, mais vraiment. Hop, le petit détail qui manque. Mais pourquoi vous feriez pas aussi des bambous à l'horizontale? Alors, je viens d'avoir une idée. Mais j'y avais pensé, donc on est parti. Il nous reste plein de bambous à l'horizontale. Voilà. Ouais, je vois. Comme ça, regarde. Je vois ce que tu veux dire. Tu recommences. L'idée est bonne. Il était beau avant et là, il est sublime. C'est comme un escape game, c'est une sorte de petit labyrinthe aussi, comme nous, on aime bien faire et tout. Regarde ce côté déstructuré. Eh ben voilà. Eh ben, petite vidéo à l'appui. Là, oui. C'est un escape game, quoi. C'est ça. Oh, disons qu'un raisin. C'est pour qui? J'ai envie de les voir passer dedans et tout, chercher. J'avais vraiment envie d'avoir cette image-là des mangoustes qui rentrent et puis qui circulent entre les bambous pour prendre la nourriture. Ah, ça va. On arrive au bâtiment des mangoustes. Plusieurs missions. Prendre l'enrich sans que ça se casse la tronche. Passer les deux portes sans que ça se casse la tronche. Et puis juste le poser au bon endroit pour que ça soit bien pour elle, pour que ça soit visible pour nous, parce qu'il faut quand même observer. Et après, juste dispatcher la nourriture. Il se produit exactement ce que j'ai tous les jours. Donc la plus courageuse, on va dire, vient, elle commence un petit peu à tâter. Et en fait, c'est très rapide, il faut même pas 2 minutes. Et puis, on en a déjà 2 qui viennent. Elle passe dessous quand même. Non, c'est pas grave. Mais ça leur fait un labyrinthe dessous un aussi. Un double enrich, c'est ce ouais. Que je voulais. Ouais, c'est ça. On enrich dans un enrich, par section. Et en fait, très rapidement, c'est ce que il se passe ce que je voulais. Donc, les mangous sont là, elles vont voir dans les bambous, elles passent entre les bambous, c'est exactement ce que je voulais. Donc, je suis super content. Allez, on va les laisser tranquilles parce qu'il y a les autres qui attendent et qu'il est l'heure. Petit bilan de cet enrichissement mangouste. Après tant d'efforts,
le réconfort. Ça s'est très bien passé. Les mangoustes ont bien profité de l'enriche. Il a tenu bon, tout droit, tout ça. Donc, c'est une réussite. Ça veut dire que je vais pouvoir en faire d'autres. Elles n'ont pas peur, donc je suis super content. Moi, je rigole. Comment ça va les petits doudous? J'arrive au niveau du nouveau bâtiment du Bush Australien pour donner le repas du soir aux kangourous et aux wallabies. Coucou vous! Ça va? Nous avons enfin mis les kangourous et les wallabies ensemble. La mise en contact s'est plutôt bien passée. Allez les petites louloutes! Mais... on a quand même une séparation invisible. Les kangourous vivent beaucoup dans le pré-parc et près du bâtiment, alors que les wallabies sont dans l'enclos. Oh, vos têtes! Qu'est-ce que j'adore, vos têtes! Je nourris de façon à ce que ils puissent se rencontrer, mais qu'en même temps, ils ne soient pas non plus trop obligés de se côtoyer. Faut pas leur faire peur. Les kangourous! Et après, j'attends. Tiens. C'est en prenant ce temps-là qu'on apprend à connaître les animaux. Et en apprenant à connaître les animaux, c'est là qu'on arrive à déceler le moindre petit problème. Allez, vas-y, Minette. Qu'est-ce qu'il y a, Minette? Pourquoi t'es stressée? Pas besoin d'être stressée. Et je suis agréablement surprise parce que j'ai une femelle kangourou qui vient jusqu'à la gamelle pour manger. Et il y a un wallaby qui est à côté de la gamelle. Donc il y a une rencontre de moins d'un mètre. Oh, regarde comme il est mignon, il tient sa salade. Les wallabies, c'est... C'est quand même très mignon. Un kangourou, ça a des traits assez carrés, en fait. Alors qu'un wallaby, ça a vraiment une toute petite tête de souris. Et ils ont des toutes petites pattes. C'est des petites peluches, les wallabies. Et c'est vrai que quand ils sont là avec leurs petites pattes à manger leurs feuilles de salade, ils sont vraiment trop mignons, quoi. Trop mignon. J'adore.